Allô, allô, bienvenue à l'oracle mystique Kaila. Tu veux connaître ma lignée? Ça, ici, c'est ma grand-maman et mon papa. Ça, c'est mon grand-papa et ma maman. OK? Là, tu me connais. OK, on continue? Aujourd'hui, ça va être pour l'élément eau. OK? Il y a beaucoup de monde dans l'élément eau et les cancers, les scorpions et les poissons. Bon. Qui sont les personnes qui appartiennent à l'élément eau? Ce sont les personnes sensibles. Elles jouent beaucoup avec leurs émotions. La plupart sont doux, mais il y a de l'eau là-dedans. Et ils sont très psychiques aussi. En profondeur, très psychiques, assez. OK. Oh, c'est celle-là. Bon, on va commencer par qui accompagne l'élément eau, la famille de l'élément eau. Pour l'instant, qui les accompagne et c'est quoi le message? Waouh, santé et guérison. Bon, ça c'est bien. Santé et guérison. Bon, vous faire du bien ça? Je vais voir ce que ton ange gardien. Qu'est-ce que ton ange gardien a à dire là-dedans? Si lui est d'accord ou pas. Il y a un miracle dans ta vie qui s'en vient. Peut-être un miracle de la guérison. Wow, ça se peut. Ça se peut fort bien. Il y a quelqu'un qui va guérir ici, là. Ah, oh, que c'est beau ça quand ça guérit. Oui, je te souhaite guérison certaine. Tout est possible. Hop, et là, je vais parler de trois points importants. Trois points importants parce qu'il y a plusieurs personnes ici, là, dans trois signes. Donc, trois points importants. OK? Bon. On commence avec Neptune, le mystique. Tout ce qui est mystique, Neptune est plutôt des choses un petit peu, pas cachées, mais comment ça se fait que ça fait ça comme feeling, là, hein? Les mystiques, ils sont très mystiques, eux autres. La destinée, ça ici, c'est un changement qui va se faire, qui est dû, là, puis qui va s'accomplir. Ou peut-être ce petit miracle, pourquoi pas. Et ici, on a le monde. Le monde, c'est le but, ton but. OK, là, je vais parler de trois sujets. On commence. On va éclaircir un petit peu. On va éclaircir le mystique ici. Ce qui est inhabituel. Ça fait-tu? Choque mon grand français. Bon, une langue ou l'autre. Tant qu'on se comprend, non? Bon. Neptune. Eh ben, es-tu en train d'écrire un livre sur le psychisme? Probablement, ouais. Garde secret ce que tu fais, ne le dis pas. Moi non plus, je ne l'ai pas dû. Il n'y a personne qui le sait. Ouais, puis il faut beaucoup de patience. Oui, ça je sais. Il faut beaucoup de patience pour écrire un livre. Des fois, ça peut prendre des années avant que ce soit correct, mais ça ne veut pas dire que ça va prendre des années, là, parce qu'il y a quelque chose de rapide ici. Je ne sais pas si ça a rapport avec ça. On va voir. Ah! T'as trouvé ce que tu cherchais. Tu viens de le trouver. C'est ça qui va arriver. Tu vas trouver ce que tu cherchais. T'as toutes les compétences qu'il faut, t'as tout ce qu'il faut, t'as toutes les informations nécessaires. Là, t'es à toutes. Tu as trouvé, là tu les as toutes. Et puis en plus, tu reçois un message comme quoi que oui, c'est vrai, tu as tout ce qu'il te faut pour commencer quoi que ce soit. C'est peut-être ça ici, là. Ou le terminer, ou je ne sais pas quoi, ou le faire éditer, ou. Bon, le monde, regardons ça, c'est drôle, le monde. Bon, là tu viens de comprendre quelque chose. Tu dois laisser le passé en arrière. Le passé est terminé. Il n'existe pas du tout. Là. C'est comme ça. C'est comme des os dans du sable.
des ossements. C'est comme, il n'y a plus rien là, là. OK? Ton passé doit être remis où il va. Et il va dans le passé. OK? Là, ça aussi, tu le comprends. OK? Tu en es certaine que ton passé est terminé. OK, on va continuer à décortiquer juste un petit peu plus. Juste parce que c'est intéressant. Très, très intéressant. On a un miracle ici, là. Bon. Alors, ici, le psychisme, là, et les choses que tu écris ou que tu essaies d'inscrire dans un livre ou quelque chose, eh bien oui, eh bien oui, eh bien oui, c'est vraiment... Tu as pris conscience de toi-même, en plus. C'est ça qui t'a permis de commencer quelque chose de nouveau. Oui, c'est ça que tu es en train de faire. Moi, je parle à quelqu'un qui est en train d'écrire un livre ou qui est en train d'écrire quelque chose. Ou on peut dire quelqu'un qui... Tu sais, un film... Pour un film ou... Quoi que ce soit comme ça. Ici, on dit que tu vois... Que tu as du discernement. Ça veut dire que tu vois... Tu vois à travers les illusions. Tu connais la vérité. OK? Qu'est-ce qui est bon pour toi, tu le connais. C'est ça, prendre conscience de soi-même. Quand on se connaît bien, là, toutes les portes s'ouvrent. On voit clairement. Bon, bien, ça ici, c'est ça pour toi. OK? Ce changement-là ici, là, qui est destiné pour toi, là, tu viens de trouver une réponse. OK? Tu viens de trouver une réponse à... Qu'est-ce que tu viens de trouver? OK. C'est comme tu regardes de loin, OK? Je peux te dire ça comme ça. Tu regardes de loin parce que tu veux regarder au-dessus des difficultés. Ah, oh, c'est beau. Ça, c'est parfait, ça. De voir plus loin que ces problèmes parce que, dans le fond, les problèmes, c'est juste pour te rendre un petit peu plus forte, un petit peu plus confiante, OK? Ici, c'est pour t'aider à avoir de la gratitude, d'être reconnaissante pour qu'est-ce que tu sais. Qu'est-ce que tu viens de trouver pour les messages que tu reçois? Sois reconnaissante que tu es capable de voir à travers, tiens, l'illusion, que tu as conscience de toi-même. Il faut, ça c'est comme être dans la gratitude pour qui tu es et qu'est-ce que tu peux faire. C'est déjà un miracle en partant. C'est déjà une guérison. OK? Ici, je vais continuer pour... Le monde, oui, tu vas prendre action, oui, garde tes de scènes, comment ça s'appelle ça, des scènes, une scène de protection autour de toi. Laisse pas tout le monde rentrer. Fais attention à qui tu parles, à qui tu as affaire, parce qu'ils ont des beaux sourires des fois, puis en dessous de ça, oui, je connais ça, j'ai travaillé dans le public assez longtemps, merci. Et ça fait à peu près 35 ans que je fais ça. Donc, j'en ai vu. Et faire attention à ces gens-là. OK? Reste dans ta bulle. C'est pas vraiment une bulle, là, comme bulle. C'est protège-toi des autres. De toute façon, tu es très tenace. Tu es responsable, intelligente. Tu penses, comme tout le monde, mais tu penses bien, toi. Toi, c'est rangé. Tu as compris les choses. Et puis, ça va être le temps de prendre action. Bientôt, là. Ça va être le temps, là. Ça va être le temps. Oui. On va continuer encore un petit peu. C'est fun. Il y a toutes sortes de manières de voir les choses. Il y a toutes sortes de manières. Il faut se fier à son intuition. C'est tout. Bon, la mystique ici, regarde-moi ça. Ça prouve que tu l'es. Tu es très réceptive, une personne très réceptive. Si tu n'es pas empathe, tu es proche. Tu es très proche. Tu peux être une empathe. Puis en plus, ici, ça me dit justement ce que ça dit ici. Tu as le discernement. Toi, c'est la vérité. Tu la connais parce que tu as le discernement. Donc, empathe, psychique, réceptive.
Et oui, ça c'est une occasion ici. Ça s'en vient, l'occasion ici, des opportunités. Des vraies opportunités ce fois-là. Des vraies, 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 vraies. Laisse ton œil ouvert. Ouais, toujours laisser l'œil ouvert. Parce que plus ça va, plus il y en a qui ont les yeux fermés. Bon. Ici, qu'est-ce qui arrive de vite, vite, vite? Oh, que c'est donc bien beau. Ça me semble être une genre de... Ça va être ce changement-là qui s'en vient, c'est une bénédiction pour toi. Ça vient d'en haut, OK? Quand ça vient d'en haut, on ne se trompe pas, c'est toujours avec du bonheur, puis de la joie, puis de la satisfaction, puis du contentement. Puis ici, on te dit oui. Ici, tu dis oui, c'est vrai que c'est bon, là, qu'est-ce qui m'arrive? Oui, c'est vrai, je l'ai senti. Je l'ai senti, je l'ai venu. Je l'ai senti, cette affaire-là. Wow. C'est toi, ça. Le discernement. Oui, je sais, oui, je l'ai senti, j'ai ma réponse. Right? OK. Oh, ben, gardons ça. Le monde. Ah, de faire attention aux autres, mais. Tu vas quand même avoir quelqu'un qui va t'aider là-dedans. Ça va couler doux, là. Tu sais, quand ça coule douce, tu sais, c'est comme les échanges sont harmonieux, compréhension. OK. C'est quelqu'un qui connaît son affaire. Je te le dis, ou tu écris un livre ou quelque chose de très important, où tu dois parler. Ça, c'est important, ça, ici, là. Qu'est-ce que je peux dire en général? Moi, je peux dire que tu es apprêt à te connaître. En tout cas, pour penser, tu es capable. Tu n'es pas une pensure, mais tu penses suffisamment là, pour que ça aille loin, tout ça, là. Oui, c'est quelque chose que tu veux mettre sur le marché. Il te manquait des éléments, tu les as trouvés. Opportunité, vérité, ouais. Absolument la vérité, rien d'autre que la vérité. Parce que c'est ça. Bon, ici, on va voir ce que tu ne vois pas. Qu'est-ce que tu ne vois pas? Qu'est-ce que tu ne vois pas? Il semble avoir deux, trois sujets ici, là. C'est correct parce que ça en fait plus pour ce paquet de monde-là. OK, qu'est-ce que tu vois pas? Ça, c'est des cartes assez. Ça fait longtemps que ça existe. Ils sont assez pour moi. Au début, je ne l'ai même pas utilisé il y a des années parce que je trouvais ça trop pétant. Je me disais, wow. Mais là, ils ont fait un nouveau jeu, puis j'essaie de le prendre un petit peu mieux parce qu'il est assez puissant ici. Vois-tu, c'est les plaisirs de la vie, les plaisirs de la table et l'argent. Regarde-moi ce succès-là, toi. Tu vois-tu les plaisirs ici? Ça, c'est le bonheur dans ta vie, là. La table, c'est tout ce qu'il te faut, là. Tu sais, l'abondance, là. La bonne bouffe, là, comme on dit. Tu sais, des belles choses, là, qui t'entourent, ça, là. Puis regarde ici, tu as l'argent en plus. C'est de la richesse, ça, ici, là. Plaisir, table et argent, monde. Oh, tu vas rire. Tu ris aussi quelque chose. Ça, c'est quelque chose que tu ne vois pas ici encore. Tu ne le vois pas, ça? Mais c'est là. Il faut que ça commence quelque part, non? Bon, eh bien, c'est ça. Ça s'en vient. Quelque chose que tu dois dire. Ou tu as déjà parlé en public, puis là, tu écris un livre, mais ou des choses secrètes que tu fais, on ne le dit pas. Puis, ça va donner quelque chose d'extraordinaire ici. En plus, ce que je vois autrement, c'est quelqu'un guéri ici. Une guérison, ça c'est sûr, il y a un miracle qui se passe ici. Pour quelqu'un quelque part ou pour plusieurs personnes, il y a des miracles. OK. Je vais aller voir ce que les anges en général pensent de ça. Si Jésus le dit, je pense pas qu'ils disent non, hein? Quand c'est la santé guérison, ça a rapport avec lui, c'est sûr et certain.
Nul besoin de s'inquiéter. Et voilà. Et voilà. Nul besoin de s'inquiéter. Est-ce que le message est clair ici? S'il est clair pour toi, ce message qui t'a fait du bien au moins, ça m'a fait plaisir de l'avoir donné. Puis, un petit coup de pouce, ça va aider les autres aussi. Merci!